Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le chapitre 13 de The Evil Within sur PC. Donc excusez-moi, j'ai des travaux, j'espère que ça dérangera pas trop, enfin qu'on n'entendra pas du bruit, enfin c'est pas moi qui fait des travaux, c'est les voisins. Enfin bref, donc du coup j'en profite rapidement pour vous dire que si vous avez des questions à me poser pour un futur FAQ par rapport à ma chaîne, vous pouvez me les poser soit sur Twitter ou sur dans les commentaires YouTube. Vous posez votre question et vous finissez par hashtag tuto répond. De toute manière, toutes les infos seront dans la description. Kidman ! Vite, trouve un moyen de descendre. Tenez bon si vous êtes encore là-dedans. On arrive. Ouais, bah écoute, vu l'état du truc, si elle est encore dedans, je crois qu'elle est morte. Bon, alors il y a quoi là-dedans? D'avoir qui que ce soit ici. Ouais, je fais le tour, quoi, y a rien. Je le savais. Tu savais quoi? Facile de dire ça, je le savais. Moi aussi, je le savais. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps. Un ancien manoir réduit en cendres. On parle d'actes délibérés. Le domaine Victorino a brûlé. On reste pas loin. Ouais. Bah écoute. Oui. On peut se casser, allez hop. Chut. Bon, y'a rien. Où j'ai où être dans là. C'est quoi ça? De l'acide? Qu'est-ce que c'est que ce machin? T'as aimé le temps. Hop.
Ah. Bon sang. Qu'est-ce qui a pu faire autant de dégâts? C'est une rame de métro qui sort du sol? Ouais, mais regarde comment elle est placée. Si on arrive à la rejoindre, on pourra l'utiliser pour traverser. Pour l'instant, il faut qu'on sorte. J'ai de l'espoir. Allez loin, ta rame de métro. Ouais, il va falloir que je tire dessus. Allez, saute, putain. Non, c'est trop loin. Hein? Ouais, c'est pas trop loin. Ah, attends. Je crois qu'il y a un autre moyen de descendre. Je te rejoins plus bas. Ah, j'ai fait le tour, il y avait rien. Non mais attends, ouais, le truc il est juste en face quoi, il aurait pu descendre l'échelle et sauter quoi, même une petite fille elle l'aurait fait quoi. Aïe aïe aïe. Bordel, d'abord Kidman. Oh non, me dis pas qu'il y a l'autre avec sa hache. Cette tête de boîte là. Merci, tête de boîte. Oh non. Avec son compagnon. J'ai touché une bouteille. Où ce con? Ah ouais, il est parti dans le feu. Il est fort lui. On m'a pas vu. Allez. Bon. Y'a rien. What? Eh hey, mais ils sont tous là ou quoi? Le gars, tête de boîte, lui. T'as va me foutre la meuf araignée aussi. Vas-y, approche-toi un petit peu. C'est bien parce qu'ils sont relativement assez sourds là-dedans. T'as quelqu'un qui tire dans le couloir d'à côté, c'est pas grave. Ça inquiète personne. Oula, il est pas loin. Alors attends. Je lui fous une bonne. Un bon petit harpon explosif. Coucou. Bim.
Ah bah voilà, un coup il est mort, très bien. C'est parfait. Il m'aura pas posé beaucoup de problèmes celui-là. Bon alors. Elle me saoule avec ses bouteilles. Allez, crève. Merde, il est là. C'est quoi son casque là? Il est en ferraille. Non! Putain! C'est quoi ce truc? Vas-y, sors de là là. Ah bah non, bah, je suis mort. Ah, j'ai dû marcher dans l'assiette comme un con. Parti. Bon, on va y aller plus vite. Hein. Donc on connaît une. Allez, dépêche-toi, ramasse ça. Oh putain, qu'est-ce qu'il est pollué. C'est quoi leur casque là? Mais putain, pourquoi je ramasse cette bouteille à chaque fois? Dégage. Toi. Un bout direct, laisse tomber. Et hop, toi t'es mort. Crame. Ensuite, une espèce de bouffon là-bas. Là. Putain, parce qu'on a deux. Bien. Allez, cramer. Vous le relevez pas. Merci. J'ai oublié un truc. Et hop, terminé. Crame. Voilà, y a quoi. Voilà.
Oh non, encore tête de boîte là. Je l'aime pas lui. On peut pas se barrer. On va encore se taper tête de boîte hein. Tu veux goûter mes explosifs, toi. Et tête de boîte, viens chercher. Non, il est caché où ce con. Tête de boîte. Oula, je l'ai non moi. Où est là? Elle m'a pas vu. Et approche-toi. Pip 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 là. Allez. Là si tu m'as pas vu, il y a un problème. Allez viens. Pip, pip, pip. Putain, il crève trop cet occupé. Il est où? Je sais même pas où il est, je sais même pas ce que j'ai fait. Vite, 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 va ce truc, dépêche-toi. Allez! Il va réapparaître, il va te lancer dessus. Allez, 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 allez. Cours, 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 cours. Putain, on peut pas aller là. Oh, il est là. Dépêche-toi. Vite. Chaud, 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 chaud. Ah, j'aime pas, il réapparaît tout le temps, c'est chiant. Bon, niqué. Alors. Man, t'es là-dedans ? Ouais, bah, si encore dedans, elle est morte. Hein. Truc qui crame depuis un quart d'heure. Hein. Non. Ouais. Oh non, par là. Non. Hein? Vous n'avez toujours pas compris. Il est tourmenté les autres. Il aime montrer qu'il a toujours le dessus. Il met des appâts, pousse les gens à réagir, les fait trébucher. C'est foutu piège. Quand ça m'est arrivé, j'ai vu clair dans son jeu. J'avais tout compris, mais je n'ai pas surnoncé. Je voulais savoir la vérité, et il la connaissait. Oh. Inspecteur Castellanos. Allez, soyez honnête. Est-ce que je deviens dingue? Quand on veut survivre, on n'accorde pas sa confiance au premier venu. Ouais, mais en attendant, je pense qu'il faut pas se poser 36 000 questions, hein. Quand tu vis ce que tu vis, je crois que t'es déjà dingue. Pas trop te poser la question, tu l'es.
on en saura sûrement un peu plus à la fin, mais pour moi on est... Comme je vous ai déjà dit, je pense qu'on est vraiment encore tous ceux qui étaient dans le camion à la fin, tous ceux qui sont rentrés dans le... Enfin, je sais pas trop, remarque, il y en a qui sont peut-être pas rentrés, mais enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si, quoi, on était tous connectés à une machine encore, ou tous dans l'hôpital à la base, quoi, encore, et le premier épisode où on se voit se barrer de cet hôpital, je pense que, en fait, on se barre pas, quoi, on est déjà, on doit être déjà accroché à une machine, un peu à la Matrix, quoi. Ils doivent être tous connectés au méchant, être tous dans son esprit, enfin c'est le plus plausible, je vois pas. Alors toi, je vais te faire exploser direct. Allez hop, terminé. Toi, pareil. Merde. Moi j'allais récupérer. Rien, ça sert à rien de mettre ça s'il n'y a rien dedans. Prends-la. Mais... Oh, quel boulet. Ok, c'est parti. C'est toi qui tape dans les trucs. Hein. Ah, j'aime bien être coupé électrogène superposé dans une cuisine. Pile poil l'endroit pour un groupe électrogène. Oh non, oh non, pas lui. Je sens que je sais moi qui vais me taper. Ah ben non, moi je vais me taper. Putain, ils sont tous en même temps là. Mais non, espèce de Google. Quoi? Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, fallait pas courir. Hmm.
Bon, alors déjà, je vais désamorcer ça, ça me fera de la pièce. Ok, bon, y a rien d'autre. C'est parti. Ça, c'est de la cuisine, mon pote. Je suis pas là à leur piquer des trucs. Mais non. Écraser. Là, y'a rien. Voilà. On a un piège. Dépêche-toi. Un truc qui se ramène à vite. Ah oh, putain, c'est pas vrai, allez, barre-toi. Allez, bouge-toi. Ouf. On n'a rien. Hop, hop. Allez, bouge-toi. D'où il venait. Ah, il vient d'où? Il vient de là, mais il n'y a même pas de... Il est arrivé où dans... Comment dans cette pièce? Tu les vois tous débarquer de là, mais c'est un cul-de-sac. Bref. Une petite balle, hop. J'étais chaud pour ta gueule. Ah, sauf que là, je crois que ça va être chaud pour la mienne. Oh non! Encore toi? Ouais, encore lui. Hein. Puis il court. Vas-y, mets ça. Dépêche-toi. Oh non! Putain, vas-y, barre-toi. Oh d'un coup, nickel. Qu'est-ce que c'est, ce sommeil? Allez, au revoir. Mais bordel! Ça bug ou... C'est quoi? Pourquoi il y a un écran tout noir? Un seul. Il faut que je trouve Kidman.
Apparemment, elle va bien. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Un parc avec plein de bubules. Leslie peut rentrer. Rentrer à la maison avec le train. Non, Leslie. Pas tout de suite. Tu me protégeras ? Oui. C'est mon job. Bien, bien, bien. Quand je rentrerai, ils seront surpris. Oula. Qu'est-ce qui se passe ? Oula. Je n'y ai pour rien. Désolée. Non. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Je sais. Je l'ai vu. Vous ne savez pas ce que veut vraiment Ruvik. Dites-moi, qu'est-ce qu'il cherche ? C'est Leslie qu'il veut. Quoi ? Il doit finir son petit projet ? Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai une mission. Il ne doit pas s'emparer de lui. Leslie est le seul qui peut. Seul ? Bon. Ben, c'est la fin du chapitre 13. Donc ben voilà, c'est fini. J'espère que ce petit chapitre vous aura plu. Moi j'ai trouvé assez sympa. Il y avait pas mal de monstres au mètre carré. Donc ben voilà, on se retrouve donc très bientôt pour le chapitre suivant, donc chapitre 14. Et donc d'ici là, portez-vous bien et salut à tous.